Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Donc aujourd'hui, on vous montre notre magasinage du temps des fêtes. À la fin, on vous montre aussi les décorations qu'on a fait à la maison. Donc si cela vous intéresse, restez avec nous. Alors, de retour à la maison, mes petites cocottes, mes petites Ludines ont déjà commencé à ranger le sapin. Donc, elles décorent le sapin avec les décorations qu'on avait déjà l'an dernier. Donc, ici, c'est notre sapin dans le salon. On les laisse faire, bien entendu, parce qu'elles sont tellement excitées. C'est l'une de leurs activités préférées. Ensuite, nous, les parents, on passe après pour mettre le sapin comme on veut. Donc, ici, je vous montre mes petites décorations, les petites trouvailles que j'ai faites. Pas grand-chose. J'ai trouvé ce beau casse-noisette. J'aurais aimé en avoir deux, mais il y en avait juste un. Donc, c'est pas grave. Peut-être l'année prochaine. Donc, c'était pour décorer mon foyer. Voilà, je vous montre le résultat. Je suis pas très, très satisfaite, mais je trouve ça quand même beau pour un début. Donc, ici, il y a le Père Noël par terre. Je trouve ça très beau. Ici, on a notre arbre de Noël qui est dans notre salon. Donc, l'arbre de Noël blanc, c'est le résultat blanc et argenté. J'aime beaucoup cet arbre de Noël. C'était comme une surprise. Je suis partie rapidement en voyage pour des raisons familiales. Et quand je suis revenue, mon mari et mes enfants m'ont préparé ce beau sapin. J'y suis attachée. Pour moi, c'est comme un sapin cadeau. Donc, ça, c'est ici, je vais vous montrer l'ange que j'ai trouvé. On l'a mis tout en haut du sapin. C'est tellement beau. Donc, ça, c'est notre sapin dans le salon. Ensuite, on a un autre sapin
Dans la salle familiale, je vous le montre tout de suite, c'est le sapin doré. Alors, c'était tout pour moi. Je vous laisse avec la belle Jean. Le thème cette année, ça va être Winter Wonderland. Donc, voici les quelques achats que j'ai fait lors de ma séance de magasinage. Donc, on va garder de la décoration plus dans le thème blanc, doré et surtout argenté. C'est un Noël particulier cette année, mais on va faire de notre mieux pour nous amuser. Et voici le beau sapin blanc. On va le garder assez basique parce que mon grand lutin est en train de le décorer. Mais ma petite lutine est en train de tout décrocher. Donc, elle touche à tout. Donc là, elle est déjà prête à accrocher les toiles et son grand frère de lui dire « Non, non, c'est à moi de le faire. C'est moi le grand garçon. » Et hop, il accroche les toiles. Je vous fais un petit overview de mon foyer sur lequel j'ai bien caché la boîte de distributeur de services de télévision avec de la neige. C'est une belle astuce, mais il ne faut pas que la boîte soit allumée. Donc ici, vous voyez le petit cerf. Je l'ai mis, le petit renne, disons, au nez noir. Et là, c'est Mrs. Grange qui commence déjà à tout enlever encore une fois. Et son frère de lui dit, viens-t'en, ma petite cocotte, on va s'amuser. Et je vous fais un dernier overview. Notez que ça fait son rose à cause de Monsieur Casse-Noisette à côté qui est tellement imposant. Mais je l'aime tellement que j'ai pas pu me résigner à l'enlever du décor cette année. Donc, un dernier petit overview. Et voilà. C'est déjà le temps de se dire au revoir. Donc, à la prochaine. Bye bye!